Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Femmes Caméléons. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce printemps qui tarde à venir, qui oscille entre douceur et puis entre pluie et froid, avec ce sentiment que la Covid a aussi eu peut-être un effet bénéfique sur le climat, puisque auparavant, il est vrai qu'on disait en avril, ne te découvre pas d'un fil. Je suis Florence Cohen, sophrologue, praticienne en psychothérapie, psychanalyste. Je vous accompagne, vous, les femmes qui vous sentez perdues, et je vous aide à vous retrouver, à trouver un nouvel équilibre de vie. Selon votre âge, selon votre passé, je vous aide tout simplement à y voir plus clair en vous détendant, en vous aidant aussi à accueillir vos émotions et ensuite à prendre le plein pouvoir de votre vie en développant cette belle confiance qui est en vous. Ainsi, vous vous sentirez sereine et beaucoup plus apte à prendre la vie et à mordre la vie à pleines dents. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Florence Cohen, sophro-psychanalyste, sur Instagram, sophro.analyste, sur LinkedIn et YouTube, Florence Cohen, et vous pouvez également aller lire les articles de mon blog sur florence-cohen.fr. Alors, ce printemps 2021, quelle saveur a-t-il pour vous ? Pour la petite histoire, lorsque j'ai traversé mes différentes thérapies, et notamment la psychanalyse, j'ai eu un petit peu cette déperdition des saisons. Je ne savais plus où me repérer, quand me repérer. Si on consulte, c'est que quelque part, quelque chose ne va pas bien. Trouver quoi, comment, quelle solution pour nous ? Bref, c'est aussi ça qui est, je dirais, assez rigolo et puis, assez imprévu, c'est qu'on ce chemin-là, c'est le nôtre et qu'on va justement le découvrir en thérapie. C'est-à-dire qu'une thérapie, c'est fait pour se mettre et pour être et pour marcher sur ce chemin. Et c'est vrai que les saisons, à l'époque, je n'aimais pas l'hiver et pourtant je suis née en hiver. Et je confondais toutes les saisons, c'est-à-dire que confondre toutes les saisons, c'est que je n'étais bien dans aucune saison. Alors depuis quelques années maintenant, j'ai retrouvé le goût des saisons, j'adore l'hiver, ce fait de rentrer dans un cocon pendant quelques mois, un peu comme les animaux, que le jour tombe assez vite, la nuit arrive, fermer les volets et puis être juste là, bien sous un plaid ou sous une couette et puis attendre que ces quelques mois d'hiver passent, moi j'en profite en tout cas pour accueillir, pour hiberner aussi, pour faire les choses plus lentement. Là, ce printemps 2021, il a une autre saveur parce que en 2020, comme vous tous et vous toutes, nous avons subi la Covid. Alors je dis subi parce qu'il est vrai que ça n'a pas été simple, c'est quelque chose qui arrive subitement. Et puis quelque part, quelque chose qui nous oblige à nous adapter au quotidien. C'est-à-dire que là, même en avril 2021, on ne sait pas, on ne sait pas si on va pouvoir partir en vacances, si on va pouvoir reprendre notre vie d'avant, ce qui va obligatoirement, parce que déjà ça fait quand même un an, nous obliger et nous oblige à changer. À changer notre regard sur la vie, à changer notre façon d'être. Moi, combien de personnes me disent « ça m'a obligée à me regarder moi, à m'interroger sur moi ». J'ai des femmes qui arrivent en séance et puis qui se sont séparées, et d'ailleurs le thème du mois de mai sera la séparation, et qui disent « ça m'interpelle ». Voilà, je ne dis pas que leur séparation a été simple, mais il y a tellement eu de remue-ménage avec cette Covid qui quelque part nous met à l'arrêt et puis fait en sorte que tout ce que l'on faisait à l'extérieur, aller boire un verre, aller au restaurant, aller acheter, consommer, on peut plus le faire. Donc quand même, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout est à l'arrêt et que le climat, parce que moi je l'ai senti comme ça, je sais pas vous, mais le climat a aussi changé. C'est-à-dire qu'on est là au mois d'avril.
Et quelque part, il fait froid, alors qu'on avait l'habitude qu'il fasse chaud quasiment toute l'année. Alors, c'est un peu surprenant, parce que justement, sortir en se disant « Tiens, il pleut aujourd'hui », et puis on pense qu'on peut mettre un t-shirt et puis un fin gilet, puis au final, il fait froid dehors. Et en fait, moi, j'ai un peu cette impression de cette année de renaissance. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement ne m'impactent plus. J'ai compris que c'était nécessaire d'apprendre à vivre avec la Covid, parce que tant que la vaccination ne sera pas finie, tant que l'épidémie ne sera pas complètement éteinte, on sera sujet à justement s'adapter, c'est-à-dire qu'on peut on peut plus faire les choses qu'on faisait avant, et comment les vivre avec justement des blocages, avec des fermetures de cinéma, restaurants, cafés. On peut plus partir en vacances parce que là, du coup, les vacances, elles ont été avancées pour tout le monde. Donc, tout ce qui était prévu, ça tombe à l'eau. Donc, c'est vraiment une année de très grande adaptabilité. Et en même temps, moi, j'ai ce sentiment, en tout cas cette année, de vivre, de revivre, de me dire que de toute façon, on va vers le meilleur. L'année dernière, souvenez-vous, en avril 2020, le 15 avril 2020, on était déjà confinés depuis un mois et on commençait un tout petit peu à peine à savoir qu'est-ce qu'était la Covid. En un an, il y a eu un bond phénoménal sur les connaissances, le vaccin qui a été mis en place, les tests aujourd'hui qui sont en libre vente pour savoir si on a la Covid ou pas, qui l'attrape, comment se soigner. Bref, en un an, c'est quand même... je trouve que la science a fait des progrès. Après... vaccin mis en place tout de suite ou pas, ça c'est toujours l'éternel débat dans lequel je ne rentrerai pas. Mais je dirais qu'en ce printemps 2021, ce qui me plaît assez, c'est si ça pouvait remettre les saisons à leur rythme, c'est-à-dire qu'au printemps, il fait pas tout de suite très très chaud. Hein, on sort de l'hiver et puis progressivement, il va y avoir des bourgeons, les fleurs vont s'ouvrir, le soleil arrive timidement, et puis ensuite on va aller vers l'été où il va faire très chaud. Voilà, moi j'ai un peu cet espoir de saison comme on avait avant, en fait. Voilà, moi c'est ce que j'aimerais, avoir les saisons comme avant. Et puis, on va voir comment la vie va se réactionner, va continuer, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Faut pas croire que la vie s'arrête. Justement, elle continue. Et quelque part, n'hésitez pas à poster quelles ont été pour vous les choses qui ont émergé durant cette année, en positif ou en négatif. N'hésitez pas, en tout cas... à poster, à commenter et puis à partager aussi si ce podcast vous interpelle. Voilà, je vous retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine et puis je vous souhaite une très belle journée à vous tous et à vous toutes. Au revoir.